Noémie, je pensais quelqu'un de 16 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Toujours 16 ans, ouais, pas de soucis. Et tu vois, pour Joannice. Joannice, on les a tous pas, parce que du coup, on n'est pas à grand chose, tu vois. Genre, je crois qu'eux, ils sont presque à 10 heures à chaque fois. Il y a eu une première année à Morsinx en 2020. La coopérative jeunesse a beaucoup plu comme projet. Donc, on a la communauté de communes Cœur Hautland qui a décidé de mettre en place ce projet également pour les jeunes des communes de Luxeuil et alentour. Donc en pleine zone rurale, pour proposer leurs services aux habitants, aux collectivités et associations du territoire. Nous, on avait dans le projet l'idée d'une coopérative à Luxeuil, une coopérative à Morsinx, et les jeunes d'eux-mêmes ont décidé de créer une seule coopérative. Ils ont décidé de coopérer et de rassembler leurs forces, de les mutualiser pour gérer leur activité tout au long de l'été. Il y a l'estanquet, c'est sur place, sans réservation en fait. Et sinon, il y a la table de marquise qu'il faut penser à réserver à la descente du train. Jérémy, c'est un jeune qui est un peu timide. On a vu une réelle évolution. On peut le voir, il va vers les gens, il est pédagogue. Ça se passe très bien. Enchanté. Du coup, Hugo. Clara. Clara. Joannice. Et Joannice. Moi, c'est Laure. On va accueillir les jeunes de la coopérative Copcoud pour nous aider à réaliser une rénovation de roulotte qui va nous servir en fait de ludolotte, voilà, pour permettre aux enfants que nous accueillons d'avoir un espace partagé de jeux et de lecture. Ça m'apprend la vie future. Je sais ce que c'est qu'une petite entreprise, le travail en groupe. Qu'on soit nos propres patrons, qu'on soit auto-entrepreneurs, on n'a pas de, on va dire, de compte à rendre à des personnes plus... On est tous au même niveau et tous on décide ensemble. Ça, ça m'a vraiment plu, oui. On n'a pas tous, par exemple, la possibilité de payer ses études ou de payer le permis. Du coup, ça m'a permis de rentrer un peu d'argent pour préparer tout ça. Ils ont eu une vingtaine de missions au total, une vingtaine de clients sur à peine 2 mois. Donc c'est assez énorme en termes d'activité. Donc ça montre aussi un besoin économique local et un potentiel en milieu rural.